Yep, salut tout le monde. Alors, on va attendre pour que je puisse partager. Alors, identifier des amis. Non. Ben, il veut pas partager. Il veut pas me laisser partager. Allez, je vous entends. Là, normalement, vous entendez le feu crépiter dans le poêle. Alors, c'est du sapin. C'est du sapin. Donc, hey, salut Yannou. C'est du sapin, donc ça chauffe fort et ça crépite énormément. Voilà, moi je suis en t-shirt, c'est bon. Hein. Je sens un peu de fraîcheur quand même, mais ça va, il fait bon. Allez, une rasade. Hey, salut Jérôme. Live nocturne. Hey, l'éclairage, je me suis dit, est-ce que je mets la lampe frontale? Parce qu'en fait, il y a des vis, tu vois, dans la poutre. Et je peux pendre en fait la lampe frontale pour avoir de l'éclairage comme ça. Mais en fait non. Là j'ai juste deux bougies, elles sont là. Elles sont juste là. Et c'est largement suffisant en fait pour m'éclairer. En fait ça fait un éclairage tamisé, c'est pas trop dégueulasse. Hey, salut Christelle! Ses bouts de saucisse et de saucisson. Allez, on va s'en faire une. Donc voilà, je suis dans mon refuge. Donc je vais pas dormir ici, je vais dormir dehors. Parce que bon, déjà, on peut se faire emmerder si on dort à l'intérieur. Putain, le feu il plaisante pas. Est-ce que j'ai une petite erreur de bain? Bon, là, il y a trois gros morceaux. Ouais, il y a encore un morceau. Okay. Ouais, bah ouais. Non, faut pas un éclairage trop violent, tu vois, sinon ça casse le délire. C'est quoi le thème ce soir? Bah vas-y, on voit un thème. Alors là, le live, il est sur mon groupe, hein. C'est Raphaël Conseiller Live Clean, donc on parle de santé. Moi, je dis ça avec une clope, c'est marrant. Et en fait, j'ai fait plusieurs directs cet après-midi. Voilà, parce que en fait, quand je pars en rando, je partage tout ça. Parce que bon, la rando, le sport, tout ça, c'est la santé. Et puis je partage tout un tas de trucs. J'avais même partagé l'histoire des bourgeons de sapin. Voilà, puis ça peut être aussi des techniques de survivalisme, ça peut être tout un tas de trucs. Donc là, je suis dans un refuge. Donc là, j'ai mangé tranquille avec ma fourchette modèle F1, tiens, elle est encore là. Comme j'avais oublié de prendre une fourchette, je me suis fait une fourchette comme ça avec un morceau de sapin. Ouais, c'est ça. De bivouac, de mise en forme. C'est de l'entraînement, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Surtout que là, ça commence à être un petit peu tendu. Les pénuries, tout ça, on ne sait pas comment ça peut tourner. Puis bon, moi j'aime ça, hein, c'est aussi pour mon plaisir. Donc là, je vais dormir dehors. Je sais pas combien il fait, j'ai regardé en fait là sur internet la météo en fait du village qui est en contrebas. Tout à l'heure, il y avait 2 degrés. Donc ça veut dire que alors, s'il y a 2 degrés là en bas, je pense qu'ici il doit faire 0 voire moins 1. Donc on va passer une super nuit. Alors j'y vais jamais seul, j'y vais toujours avec mon chien. Toujours maintenir une certaine forme physique et psychologique. Et de bonnes résolutions, bah ouais. En fait, des résolutions, j'en prends jamais. Enfin, j'en prends jamais en début d'année, mais les résolutions, c'est quand on a envie, en réalité, quand on se sent prêt. Ouais, les insectes. Ben en fait, après chaque guerre, il y a toujours eu un truc nouveau qui est apparu, surtout après la Seconde Guerre mondiale, c'était la société de consommation. Les Trente Glorieuses. Donc là, ça parle de plus en plus de Troisième Guerre mondiale, et là, ce qui va arriver après, ben, c'est Davos, c'est les insectes, c'est tout ça, quoi.
tout à l'heure, là, je regardais un petit coup sur Facebook une vidéo de manif. Putain. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bien là où je suis, en plein milieu de la forêt, dans la montagne, au calme. Et c'était vraiment, vraiment super bruyant. Vous savez, il y a les gens qui ramènent leur tambour, leur truc, qui font un max de bruit. Les gens, ils hurlent. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je vais dans ma montagne, dans mon refuge. Les seuls bruits qu'il y a, bah, c'est la bouteille. Ouais, c'est une bouteille en plastoc là, qui vient de faire du bruit. Le bruit du bois qui crépite dans le poêle. Et puis mon toutou avec sa clochette. Donc voilà, je vous partage ce moment de sérénité et de calme. Donc ça, voilà, j'ai encore de la batterie sur le téléphone, puis j'ai la batterie externe. Ça, je l'emmène toujours, parce que sinon, avec un iPhone, tu fais pas beaucoup de vidéos. Ouais, c'est ça. Les nuisances sonores du monde urbain. Déjà, quand il n'y a pas de manif, c'est insupportable. Alors, quand il y a des manifs, laisse tomber. Pourtant, tu vois, Jérôme, moi, j'habite à la campagne. Mais je travaille en ville. Et à un moment donné, en fait, entre le stress de la ville et le stress aussi qui est généré sur les réseaux sociaux, à un moment donné, j'avais besoin de partir, quoi. Besoin de me mettre une grosse dose physiquement, tu vois. Donc ça entretient la machine. Donc besoin de me mettre une grosse dose. Et puis trouver du calme en fait. Et de pousser mes limites, bah, physiquement, psychologiquement aussi. Parce que bah, dormir dehors quand ça caille comme ça, c'est pas forcément très facile. Donc là, je garde un lien avec Internet depuis le téléphone. Mais à part pour faire mes publis aujourd'hui, j'ai pas trop regardé ce qui se passait. Donc voilà, je suis bien. Avec mon toutou. Loulou, tu viens? Viens, viens, bonjour. Viens là. Allez, zou, hop, monte. Avec sa petite clochette. Bon, je pourrais l'enlever là, vu qu'on est à l'intérieur. Puis après, on va aller dormir dans la piole. C'est-à-dire la toile de tente. Il appelle cette nature un environnement d'un climat de paix intérieure, du bordel extérieur. Ouais, c'est ça. Attends, on voit des trucs sur Facebook. Ça, c'était un dessin. C'est un petit bonhomme comme ça qui a un cœur. C'est marqué bonheur dessus, je crois. Ou alors, non, c'est un gros paquet. C'est marqué bonheur dessus. Et puis il y a un autre petit bonhomme qui lui dit oh, putain, t'as trouvé ça où? Et le gars, il lui répond, mais en fait, je me le suis fabriqué tout seul, quoi. C'est ça le secret. Ouais. Alors, lui, c'est vraiment plus qu'un compagnon, ce chien. C'est un veilleur. C'est mon veilleur. C'est un ange gardien. C'est un peu une boussole aussi, il repère les gens. Les gens qui va pas sentir, il va pas être agressif avec eux, mais il va me faire comprendre que non, il y a un truc pas bon. T'as soif, loulou? Là, je vais te sortir, tu vas aller boire dehors. Là, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des petites flaques d'eau, en fait, de la neige du toit du refuge qui tombe dans les gouttières et ensuite qui tombe par terre. La belle vie dans la nature, ouais, c'est ça. Ça sera top que vous, la prochaine fois que vous venez. Bon, d'abord, faut que je vienne quand même, que je vous rende l'appareil. Mais
Et si un jour vous revenez, on fera ça. Bon, avec le petit, ça sera peut-être pas évident. Ça sera peut-être pas évident. Mais pour les autres, on peut venir aussi. Hein. Ça va la journée. J'ai même pas besoin de. Parce que j'ai emporté 3 litres et demi de flotte. Mais j'ai même pas besoin de donner aux chiens, il y en a dehors. Il a l'habitude. Donc moi je suis fin bien. Le chien aussi. Allez, on va se réchauffer. Oui, je sais. Je sais, Nico. Mais de toute façon, j'ai envie de venir et puis et ça sera quoi. Le porteur a bien pratiqué l'expérience. Ouais. Ouais, il y a ça. Bon, là, l'hiver, c'est peut-être pas adapté pour le minot, pour le petit, plus printemps ou été. Surtout que bah, quand on monte en altitude comme ça, bah il fait plus frais. Alors voilà, je suis au top là. Je suis au top. Donc ben Nico, je vais regarder ton live de tout à l'heure. Faut que je pense à faire le générique. Faudrait que j'en cause avec toi, quel style de musique tu veux, si c'est un peu plus péchu, un peu plus templier, chevalier de la table ronde, ou pour déconner, tu sais, la chanson des chevaliers de la table ronde, là, c'est l'histoire de mec qui boit des coups, quoi. Ouais, c'est possible, Jérôme. Ouais. Après, moi, j'en ai pas d'enfants, donc. Voilà, tout ce qui est matos pour les enfants. pour mon loulou, oui. Ça, je connais. Pour mon toutou. Ah, mon chien. Bon, il a pas mangé encore. Je vais pas le faire manger tout de suite. Il a l'habitude de manger sur les coups de 23h, de 23h minuit, donc. Hein? Alors, il n'y a personne qui veut monter avec moi, discuter. Puis après, on regardera le live de Nico. Je vais me garder un peu de batterie. Bon, ça va, la batterie externe, elle tient bien le coup. Ouais, j'imagine, parce que maintenant, il fait que des petits directs Facebook. Et les streamers, il ne fait que le samedi soir maintenant. Donc je pense que les gens vont attendre ça avec impatience. Et au final, ils vont attendre leur émission du samedi soir. Quoi. Alors 22h15, pourquoi cette heure-là? Tout simplement parce que la première fois qu'il a fait la table ronde, il a attendu que je termine mon direct. Donc c'était le... Merde. Les rendez-vous du bien-être numéro 5, donc sur le sommeil d'ailleurs. Donc il a attendu que je termine mon live. Puis maintenant en fait c'est resté. Donc il fera les lives à 22h15. Si jamais je refais des directs donc sur mon groupe, les rendez-vous du bien-être. Donc il commence à 21h. J'avais essayé une fois 20h30, mais en fait 21h c'est mieux, je trouve. C'est mieux. Voilà. Tiens, Camille. Salut Camille. Attends, je vais y remettre un morceau de bois dans le poêle. Ça chauffe. Mais ça part vite.
Ouais, recoucou. Tiens, Steve. Te revois. Je rebooste un petit coup de poil. Là, j'ai plus de morceaux. Enfin, si, il y a des tout petits morceaux, mais c'est des morceaux pour allumer. Ça, je vais les laisser pour les prochains qui viendront squatter le refuge. Qu'est-ce que tu veux, loulou? Tu veux faire câlin? Viens faire câlin. Viens faire câlin. Tiens, Fredo, t'es pas à ton rendez-vous galant? T'es un petit peu tôt. Tu stresses. Bah moi, il n'y a pas de stress. Loulou. Tiens, Floriane. Tu sais, je suis comme toi, Flo. Je fais des randos aussi. J'ai vu que t'en faisais, c'est joli. Je sais plus de quel côté t'es. Je crois dans le 42, je sais plus. Je sais plus où t'as déménagé. Merci, Fredo. Mon pot de colle. Tiens, Rapid Buzz, salut. On regarde du... C'est quoi, c'est du Québec, c'est ça? J'ai trop chaud devant le poil, t'as arrêté. Je redescends de la montagne demain matin. Ou demain midi, ça dépend à quelle heure je me réveille. De toute façon, le réveil, je vais pas le mettre. On va profiter. De toute façon, généralement, quand je dors comme ça, surtout qu'il fait froid dehors, à mon avis, je vais me réveiller quand même de bonne heure. Yes, moins 35. Ah là, ça, c'est un temps de viking. Ça, c'est une météo qui a de la gueule. Il doit faire moins 1 dehors, là. Donc il fait bon. T'en fous d'un bordel, toi. Hey, salut, si. Salut, Tata. Ouais, ça va, impeccable. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder toutes les autres vidéos de cet après-midi. Là, c'était sympa. Là, physiquement, c'était bon. Hein. Ça a envoyé la soudure. Donc ta cousine, elle pourra regarder si elle veut, ça lui donnera une idée de ce que je fais là pour le... Oui, loulou. Ça lui donnera une idée de ce que je fais. Mais elle habite où ta cousine? Elle habite à côté de chez toi? Enfin, j'avais compris. Oui, tu vas manger, loulou. Ah, d'accord, ok. Elle est occupée, tata. Elle est occupée, la ciboulette. Mais t'as fini ton délire, là. Oui. Ok, dans les Ardennes, ouais, donc... Ouais. Ça va faire un sacré voyage pour les jeunes. Bon, c'est pas non plus le bout du monde. Mendo, arrête de faire le bazar. Arrête de faire le bazar. Putain, moins 35. Il y a une vidéo que j'aime bien. Il faudrait que je la poste sur mon groupe. C'est les Québécois qui se foutent de la gueule des Français. Les Français, ils sont en galère avec 2 petits centimètres de neige au sol. Et là-bas, ça tombe dans des quantités astronomiques. Et ils se foutent de la gueule des Français, c'est trop drôle. Oh putain, il y a les morceaux de bois qui bougent dans le poil. Ah, je vais montrer ça. Ça flambe. Le chien, il est bien. Il se met à côté du poêle parce que il y a beaucoup de chaleur, hein. Il y a beaucoup d'énergie.
Et bon, je vais passer une bonne nuit. Bon, je vais... Je vais être complètement... complètement naze demain, je sais, parce que je vais... Je vais pas super bien dormir. Mais en fait, ça requinque. C'est juste le temps que la fatigue physique, elle s'en aille. Et puis après, là, t'es regonflé, hein, Max. Ah ouais, Rapid Blast, ouais, tu la connais. Mais elle dure combien de temps? Elle dure pas longtemps. Elle doit durer 2-3 minutes. Mais c'est à mourir de rire. je l'avais montré à une amie qui est québécoise d'ailleurs, mais elle était pliée de rire, quoi. Mais c'est dingue ici. Même ici, tu as une région où ils connaissent la neige depuis toujours, en fait. Et même quand il y a de la neige, les gens ils savent plus conduire. Voilà, on sait pas pourquoi. Tu vas sûrement refaire un live ce soir. Hein. Ouais, bah il y a Nico qui fait un live. Hein. Maintenant c'est tous les samedis soirs, 22h15. Mais à mon avis, je pourrais pas monter parce que StreamYard, en fait, ça demande beaucoup de débit internet, beaucoup de bandes passantes. Et quand t'as pas un super réseau StreamYard, c'est franchement la mouise, quoi. Je sais pas combien il fait dans le refuge, même avec le poil, je sens un peu de fraîcheur. Il y a le poil précédent, je trouve qu'il boostait plus. Bon, celui-là, ça va, il chauffe, mais là, ils en ont mis un nouveau. Mais je préfère l'ancien. Ben, l'ancien qui était ici, c'est le même que j'ai chez moi. Et il tambourine. Il tambourine, c'est bien. Ouais, donc demain, je vais rentrer, je sais pas à quelle heure, je pense. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais veiller. Donc ça dépend de l'heure à laquelle. Salut Akara. Ça dépend de l'heure à laquelle je vais me coucher, comment je vais dormir. Voilà, ça dépend de plein de choses. Puis je vais peut-être m'arrêter chez une amie en fait qui habite là, qui habite dans la vallée. Elle m'a dit on se tient au courant. Donc on se tiendra au courant. On verra demain. Bon, on parle de tout et de rien, en fait, Akara, le direct, en fait, il est sur mon groupe Raphaël Conseiller d'Ifkin, et en fait, le groupe, je partage pas mal de solutions en matière de santé, et je fais aussi la promotion de mes produits. Voilà, donc ça il faut aller voir les lives de l'émission les rendez-vous du bien-être. Là, il y a plein de trucs intéressants. Alors évidemment, je fais la promo des produits que je vends, hein, parce que je suis VDI pour une société. Et en fait, je donne plein de conseils de santé, parce qu'en fait, j'ai un certain corpus de connaissances en matière de santé, parce que je suis bachelier scientifique de base. Et je m'en sers, en fait, pour aujourd'hui prodiguer un certain nombre de conseils. Voilà. C'est un peu un acte militant, quelque part. Hein, quand on connaît un peu Big Pharma et tout ça, hein. Voilà, et de tous les problèmes de santé que ça engendre chez les gens, et j'ai déjà porté des soins à travers mes produits à un certain nombre de gens qui m'ont remercié d'ailleurs. Voilà. Alors j'ai travaillé pour une seconde société, mais j'ai dû arrêter l'activité tout simplement pour des raisons administratives. Donc je vendais du CBD, donc c'était pour la société Live Labs. Vraiment une société super avec des super bons produits. Et tiens, d'ailleurs, j'ai le boom là qui est dans le gilet de combat, mais c'est sur d'autres publications. Il fallait voir dans l'album photo du groupe. Là, tu vas retrouver toutes les photos des randos, les vidéos, les annonces de live, les rendez-vous du bien-être. Donc là, j'en suis à 5. Le sixième, je ne sais pas sur quoi ça va porter encore. Je cherche l'inspiration. Ben, c'est bien, je suis dans la montagne. Ça va peut-être me donner de l'inspiration. Et donc, je sais qu'il faut que je fasse un live sur les détox. Ça, il faut que je le fasse, mais il est assez compliqué à monter. Parce qu'en fait, quand je fais un live, ça demande beaucoup, beaucoup de préparation.
Et je fais pas les choses au hasard. Donc je rassemble les idées, je prépare les visuels donc sur OpenOffice, voilà, pour donner un support et pour faire vivre le live, voilà, pour que ça soit plus clair pour les gens. Alors bah, j'espère trouver l'inspiration. D'ailleurs, tiens, parce que vu qu'on parle de santé sur le groupe, de santé en général, hein, d'ailleurs. Et donc là, je parlais de trouver l'inspiration, mais en fait, c'est quoi? C'est de la méditation, hein, ni plus ni moins. Ah, tu fais pousser ton chanvre toi-même, ouais, c'est sympa. Ben, y a Nico, là, qui est là sur le live, il en fait pousser. Donc c'est du sativa, hein, qui va donner le CBD. Voilà, et puis bah, il a un projet professionnel d'ailleurs d'être officiellement cultivateur de chanvre. Voilà. Donc je disais, ouais, je parlais de méditation. Aujourd'hui en France et je pense plus largement en Europe, on fait de plus en plus de méditation. Mais souvent ça va être de la méditation, vous savez, un petit peu en position fleur de lotus, c'est-à-dire des techniques de méditation qui sont très bien, qui sont très très bien, donc qui nous viennent d'Asie, de Chine, du Japon et d'autres pays. Mais en fait, c'est bon, ça peut être efficace en fait pour les Européens, mais c'est pas franchement adapté en réalité. C'est pas adapté. Les Européens, eux, leur technique de méditation, c'est la marche en fait. C'est-à-dire, c'est comme moi. Voilà, tu prends ton sac à dos, tu prends ton baluchon et tu vas marcher. Là, je suis dans la montagne, mais des fois, je vais dans les forêts autour de chez moi, en pleine. Mais nous, en Europe, on est des peuples celtes et germains. Et donc, nous, nos techniques de méditation. Et nous, nos techniques de méditation, c'est la marche. C'est la marche. Et en fait, quand on marche, on se met face à soi-même, on repousse nos limites, et en fait, on se dit, mais putain, c'est quoi ma vie, en fait? Et on est dans l'effort, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, et on se remet en question. Et d'un coup, en fait, juste parce qu'on est focalisé sur nos membres, sur notre corps physique, à un moment donné, on va faire une bascule, il y a des idées qui vont nous venir. Juste, on va se mettre à réfléchir, à penser à tout un tas de trucs, en fait, juste pour faire, pas pour faire passer la douleur, mais pour passer outre la douleur. Donc, il y a tout un tas d'idées comme ça qui vont nous venir, et on va se dire, ah putain, ouais, j'avais pas pensé à ça. Et puis, tu vas te mettre en situation, tu te projettes dans l'avenir, tiens, j'avais prévu de faire ça, ah, je vais le faire comme ça. Et en fait, tout ce cheminement, tout ce processus, en fait, de réflexion comme ça, qui vient tout seul, véritablement, en fait, c'est de la méditation. C'est de la méditation. Donc là, on est dans l'effort, là, on se repose, mais je suis dans le refuge, hein, en plein dans la montagne. Donc, ça reste quand même des conditions spartiates. Tu vois, là, bon, j'ai le téléphone, parce que là où je suis, ça va, il y a quand même un peu de réseau, mais il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'éclairage. Là, si je regarde... Non, parce que là je les vois plus parce que la brume est tombée. Mais tout à l'heure là c'était un peu dégagé en contrebas et on voyait les lumières de la ville. Mais ça reste vraiment des petites lumières. Mais là autour, il y a que l'éclairage de la lune en réalité. Il y a que l'éclairage de la lune et c'est tout. Et s'il n'y a pas la pleine lune, c'est le noir complet. Donc il n'y a pas toutes ces interférences auxquelles on est habitué parce que c'est pas que c'est. Bah, mais... Il se gratte, c'est la clochette. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, c'est, si vous voulez, tous ces éclairages, les ondes Wi-Fi partout, d'une intensité assez incroyable, on sent pas en fait que ça nous nuit. Mundo, arrête ton bazar, s'il te plaît, merci. On n'a pas l'impression que ça nous nuit, mais en fait, si. Et on rentre dans une espèce de zone de confort physique et un petit peu aussi psychologique. Et bah justement, quand on décroche de tout ça et qu'on va dans la nature, c'est là qu'on s'en aperçoit. Donc là, ça reste tout de même des conditions un peu spartiates. Et bah, ça nous permet bah, de,
bah de ressentir un peu de douleur et de souffrance. Et à ce moment-là, en fait, bah, quand on est tout seul, bon, là je discute avec vous, voilà la pollution lumineuse exactement. Merde, putain, je viens de perdre le fil à répondre aux commentaires. Qu'est-ce que je disais, Loulou, déjà? Qu'est-ce que je disais? Donc oui, voilà. Donc comme il y a une certaine quand même une souffrance, bon, moi ça va, je suis habitué, mais quelqu'un qui n'est pas habitué, il peut tomber éventuellement dans un état un peu dépressif. Donc ça, là, ça va être pas une douleur physique, ça va être plutôt une douleur psychologique. Mais quand il y a de la douleur physique, le froid, la fatigue, ça peut être aussi la chaleur aussi l'été. Ça va être les douleurs au niveau du dos, des épaules, des bras, ça circule peut-être un petit peu moins bien avec l'anse du sac à dos, ça va être la douleur dans les jambes. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, pour passer outre cette souffrance, on va automatiquement, vraiment de manière automatique, on va se mettre à réfléchir, on va se mettre à penser. Et c'est ça la méditation européenne, la méditation des Celtes et des Germains. En réalité, les Européens, les Celtes et les Germains, ils ont beaucoup plus de facilité à rentrer en méditation comme ça qu'en s'asseyant dans une prairie ou dans une forêt comme ça en attendant que ça vienne. On n'est pas, on sait pas faire ça. Certains s'y exercent, ils y arrivent, mais c'est très difficile pour nous. C'est très difficile pour nous parce que c'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans nos habitudes. C'est pas dans notre karma, en fait. C'est pas du tout dans notre karma. Donc on a beaucoup plus de facilité à rentrer en méditation, en introspection, comme ça, en se faisant du mal, mais en repoussant ses limites physiques. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, j'aurais pu monter un peu plus haut puis après redescendre sur le refuge, mais je ne l'ai pas fait parce que parce que là on est en hiver et la nuit tombe de bonne heure. Et si j'étais monté pour redescendre après, j'aurais dû monter la toile de tente dans le noir et c'est pas franchement pratique. Donc j'ai préféré, puis bon, il y a un petit peu de flemme aussi. Je l'avoue. Donc voilà, c'est ça, je voulais vous le partager. J'avais eu l'intention de parler de ça, en fait, de la méditation à l'européenne. Et puis j'ai oublié de le faire dans les autres vidéos. Et puis là, ça m'est revenu d'un coup, comme ça. Donc comme quoi, tout vient à un point qui sait attendre. Et puis si ça doit se passer, bah, si ça doit arriver, bah, ça arrive. On réchauffe l'intérieur du corps avec un peu d'armagnac. J'en porte toujours une ou deux flasques avec moi. Donc là, c'est vraiment, vraiment toute simplicité. J'avais déjà fait un Noël ici, un réveillon de Noël. J'étais allé avec une amie. Voilà, on a amélioré un petit peu. J'ai ramené le foie gras et puis une bouteille de vin. Mais là, je suis vraiment en simplicité, quoi. Le saucisson, les nouilles. Alors les nouilles chinoises, ça c'était pour me rappeler un petit peu. Parce qu'à l'armée, comme je disais tout à l'heure, les rations de combat... au bout d'un moment, on en a un peu marre. Et en fait, voilà, on se fait des pâtes chinoises. Donc là, je me suis bouffé ça tout à l'heure avec ma fourchette de fortune. Je préfère reposer mes limites physiquement que m'asseoir pendant des heures. Ça m'est bien plus bénéfique. D'accord, bah oui. Et même quand j'étais à l'armée, bon là c'était du sévère, hein, parce que moi j'avais fait mes classes en fait à l'école des sous-offs, à Saint-Mexant-l'École, et on avait fait le fameux stage commando, deux semaines, donc une semaine à Mont-Louis, une semaine à Collioure. Enfin, nous on avait commencé à Collioure et après à Mont-Louis dans la montagne. Il y avait des mètres de neige, c'était impressionnant, et en fait ils nous poussaient tellement à bout, mais c'était presque à chialer, quoi. C'était presque à chier, et surtout qu'on rappelle, c'était au mois de février, c'était février 2005, et il avait flotté là-bas, c'était juste incroyable.
Et on était trempé, quoi. C'était comme si on avait plongé dans l'eau, qu'on était ressorti et on avait marché comme ça. Et ça repousse vraiment les limites psychologiques. C'était pas tant physique que ça. C'est, bon, il y avait le manque de sommeil, parce que les mecs, ils travaillent en pleine nuit pour faire des exercices, des trucs, des machins. Mais c'était surtout psychologique. Et putain, je me rappelle, psychologiquement, c'était vraiment difficile. C'était vraiment du balèze, quoi. Et là, on prend conscience de ce qu'on est, de nos limites. Une fois qu'on a découvert ces limites, après, on peut les repousser encore. Stage commando pour lâcher prise. Ouais, c'est... Je dirais pas lâcher prise, mais c'est une forme de lâcher prise. C'est, à un moment donné, c'est presque un état de sidération, tu sais, comme une agression, un viol, en fait. C'est tellement difficile psychologiquement qu'à un moment donné, le cerveau, il se met sur off pendant les marches. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive sur la live. Je pense que je vais pas trop prolonger. Je vais garder un peu de batterie pour regarder le live de Nico tout à l'heure. Oui, Loulou, tu vas manger. Oui, puis tu vas sortir un petit peu. Comment ça, c'est violent pour une rupture? Bon, je sais que les stages commando, ouais, c'est vraiment du violent, quoi. Alors, on était à une période où... alors, autant les classes des militaires du rang, c'était limite du social. Mais nous, à l'école, les mecs, ils ont pas lésiné. Franchement, ils ont été... ils nous ont bien poussés, quoi. C'est pour ça que... Pendant l'école, il y a des mecs, ils arrêtent, quoi, parce que psychologiquement, c'est trop dur, quoi. Et alors, moi, j'avais été au bout de l'école, et puis bah, j'ai fait le restant pour faire mes 5 ans, quoi. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Ouais, la vie est un stage commando. Bah, tu sais, j'avais réfléchi à ça il y a longtemps. Donc, on essaye de faire en sorte d'avoir un monde meilleur. Mais si le monde il est parfait, en fait, on va se faire chier, quoi. Donc, bah, on se trouvera des raisons d'en chier comme ça, par exemple, en faisant des grosses séances de sport, des grosses randos. J'avais fait des treks avec les copains et les toutous, des treks de 50 km. Hein. Et le plus ancien, et là aujourd'hui, il a 50 piges. Le mec, il a 50 piges, il tient une forme olympique. Le mec, il prend ses chiens et puis il va dans la montagne dormir dehors, quoi. Là, il l'a fait, quoi, il y a 2 semaines, je crois. C'est un ouf. Alors lui, c'est un Alsacien, hein, vrai. Lui, il rigole pas. Et donc, tout à l'heure, il a commenté une de mes vidéos, il m'a dit, tiens, parce que lui, il est plutôt du côté de Strasbourg. Il va du côté lorrain faire ses randos. Et il m'a dit, tiens, faudra que je revienne dans le quartier. Donc, le quartier, c'est ici, hein, dans la zone, parce qu'il a toujours des expressions comme ça. Et c'est d'ailleurs lui qui m'avait fait découvrir cet endroit-là. Et comme là, c'est pas loin de chez moi, bah, j'y vais de temps en temps. Voilou, voilou. Donc, il y en aura d'autres. La prochaine, je sais pas. Ça dépend de quand mon pote Serge, il voudra venir dans le coin. Donc je pense qu'on ira. Ah tiens, salut Ariel. Je pense qu'on viendra ici de toute façon. Et puis je sais pas si on passera la nuit ou quoi, je sais pas. Ouais, les sacrés gaillards, hein, c'est les jardins, quoi. C'est les jardins, c'est... Puis tu vois, mon pote, 50 piges, il est taillé. Et il a une voix... Il a une voix assez particulière. Il a une voix suave et tout. C'est un bonhomme, quoi. C'est la virilité incarnée, le gars. Et lui, son délire, c'est... lui, les vacances en Espagne. Une fois, il avait été en vacances en Espagne pour faire plaisir à sa femme. Mais lui, son délire, c'est la Laponie. C'est les endroits où il fait -35 comme chez toi, Rapid Buzz.
Non, c'est pas du Jack, c'est de l'Armagnac. Voilà, j'aime bien. Alors, je change des fois. Des fois, je me prends du Jäger. C'est le Jägermeister. Parce que bon, là, tu vois, là, c'est la flasque. Hop, c'est la flasque Jägermeister, mais c'est de l'Armagnac qu'il y a dedans. Alors, des fois aussi, je me prends de la Chartreuse. Alors, la Chartreuse, c'est aussi, c'est vachement liquoreux, quoi. C'est fort comme l'Armagnac, mais c'est vachement liquoreux. Là, l'Armagnac, c'est plus léger. Mais ça fait du bien. Bon, ça donne soif, par contre. Hein. Entre les nouilles chinoises et l'Armagnac, ça va donner soif. Ah ouais, ouais, la Mirabelle. La Mirabelle, c'est excellent. Bah, ici, hein, en Lorraine et puis en Alsace, là, il y a... C'est le coin, hein. C'est le coin. Ils en font même artisanalement en fait chez les gens en fait qui ont des arbres fruitiers. Donc ça va être un alambic qui va tourner dans plusieurs villages chez les gens en fait qui veulent distiller. Et donc ils fabriquent leur propre eau de vie. Voilà. J'ai mon ex-beau-père qui en faisait, mais alors, des quantités. De la Mirabelle, il avait fait quoi aussi, de la mandarine, il a fait plein de trucs. Alors la quetch aussi, en Lorraine aussi, c'est courant. Je te fais des gros bisous, à bientôt, je vais préparer mon live. Ok, pas de soucis, tata, je te fais des bisous. Ouais, tout un art, la Mirabelle d'Alsace, quand elle est bien faite, en Dijon, genre quand je vais dans les restos du coin, en Alsace, en Dijon, je donne toujours une Mirabelle. Alors la quetch, c'est plus Lorraine quand même. On en fait aussi en Haute-Saône, parce qu'en fait, dans le département de la Haute-Saône, il y a un bout du massif des Vosges. Voilà. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit dans d'autres randos, tata. Donc le Münster, donc c'est un fromage alsacien. C'est un fromage alsacien et donc il est fait à partir du lait de vaches de race vosgienne. C'est ce qu'on appelle la vosgienne. Et en fait, on peut trouver des fruitières. Je ne sais pas si on dit des fruitières. Les fruitières, c'est plutôt pour le comté, hein, donc en Franche-Comté. Mais des petites fermes en fait qui fabriquent du Münster. On en trouve en Alsace, mais on en trouve aussi, je crois, dans les Vosges, dans le département des Vosges, et aussi en Haute-Saône. Voilà. Il s'appelle Münster, comme la fameuse ville de Münster. Voilà. Ah, je ne savais pas que dans le sud, ils faisaient de la Mirabelle. Partout il y a des mirabelliers qui poussent. Hein. Voilà. Dans les Alpes, c'est plutôt le génépi. Donc là, c'est les plantes. Alors dans le Haut-Doubs, notamment à Pontarlier, là, c'est l'absinthe qu'ils font là-bas. Et la fameuse liqueur de bourgeon de sapin. Bah, d'ailleurs, l'autre flasque là, qui est là, à la base, j'avais acheté juste pour la flasque. Là, c'est la liqueur de bourgeon de sapin. En fait, là, vous le voyez peut-être à l'envers. La liqueur de bourgeon de sapin, c'est excellent la liqueur de bourgeon de sapin. Ah bon, il est pasteurisé maintenant? Ouais, ça doit être avec leur norme à la bip. C'est vraiment parce qu'ils vont mettre tout un tas de mesures comme ça, soi-disant pour notre santé, puis à côté ils vont faire n'importe quoi, tu sais. Mendo, arrête tes bêtises. Allez, s'il te plaît. Voilà. Une petite gouette, tu veux dire une petite couette derrière la casquette, trop. Ouais, les normes. Ça, c'est des normes pour nous, comme je disais, là. Des normes pour soi-disant notre santé. Et puis, ils nous font avaler. Enfin, moi, non, c'est fini. Hein. Ils nous font avaler tout un tas de saloperies de médicaments qui rendent les gens encore plus malades, les antidépresseurs, les anti-inflammatoires. Donc, arrêtez, petite rasade comme ça, hein, c'est bien meilleur. Et c'est pas nocif, faut juste pas en abuser, c'est tout. Voilà, je vois que le feu il commence tout doucement à mourir, et je le sens d'ailleurs. Ah oui, la poire. Voilà, bah, je vais me garder un peu de batterie pour le live de Nico. Je vais rapprocher ma bougie, tiens. Je vais garder de la batterie pour le live de Nico de tout à l'heure. Ah bah oui, bah la pomme en Bretagne, c'est une institution. Mais le calva, c'est normand. Les normands, ils ont essayé de faire du cidre comme les bretons, mais ils n'y arrivent pas.
j'y arrive pas. Alors, je dis ça pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis breton, c'est pour ça que je dis ça. Non, oh, c'est les copains, c'est les cousins, normalement. Mais notre cidre, il est meilleur. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, je sais pas si demain, je referai un live sur la redescente. Quoi. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Alors, qu'est-ce que tu dis, Cara? Que tu sois du nord du sud, trouve toujours de bons druides qui nous enseignent les bons remèdes. Ah, exactement, voilà. Voilà. Les druides, après, sont devenus des apothicaires et après des pharmaciens. Mais bon, les pharmaciens, maintenant, ce sont juste des distributeurs de Big Pharma. Alors, il y a encore des trucs naturels. Il y a même certaines pharmacies qui vont vous vendre du CBD, d'ailleurs. C'est pas encore super courant. Mais voilà. Voilà. Allez, je garde la batterie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis je verrai demain matin ou demain midi si je fais un petit live sur quand je vais redescendre de la montagne. Alors pas à cheval. À pied avec le chien. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.